monde, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo inattendue. Alors je vous ai filmé le process de cette double page de mon bullet journal, mais j'ai eu un petit souci, ma caméra s'est mise en verticale. Et comme nous sommes jeudi pour la vidéo de vendredi, je n'ai plus le temps de vous faire une créa. Du coup, je vous montre la créa finie malheureusement. Donc je vais vous mettre quelques images. Hein. Vous voyez bien que j'ai filmé en verticale. Quand j'essaie de la mettre en horizontale, ça ne fonctionne pas parce que ça la met en toute petite. Je suis obligée de la zoomer, mais alors ça fait une image totalement dégueulasse. Bref, c'est pas grave, hein, restons positifs. Je vous montre la création finie comme ceci. Alors, en fait, quand j'ai mis mon GSM en route, je n'ai pas fait attention que c'était resté en vertical au lieu de se mettre en horizontal. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, pour la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une créa correcte en horizontal, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait une double page, donc sur le 1er août, nous sommes allés à Walibi. Donc voilà, j'ai fait une petite page bien sapatoche. J'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Donc si vous vous souvenez, je crois que c'est l'année dernière qu'ils vendaient ça. C'est pour faire les emballages cadeaux et compagnie. Mais voilà, moi je l'utilise pour le scrap. Donc j'ai utilisé ce petit bloc-là. J'ai utilisé des stickers qui proviennent de cette planche-ci, qui date de je ne sais plus trop quand non plus. Et j'ai utilisé ici par exemple le yay ici de cette planche-ci, c'est de Derlizy et c'est quelle collection je ne sais plus. Il n'y a pas le nom de la collection dessus, non je ne sais plus, mais bon voilà, comme ça vous voyez en visuel. J'ai utilisé un petit logo d'un sachet que j'ai récupéré à Walibi. Et voilà, j'ai utilisé aussi quelques petits stickers transparents comme ceci, mon washi tape. Ben voilà, comme ça vous voyez plus ou moins ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà. Là j'ai envie d'utiliser des cactus, je sais pas, les attractions font peur comme toucher des cactus, me suis dit. Par contre, les attractions, une fois qu'on les fait, on a envie de toutes les faire. Mais voilà. Par contre, les cactus, quand on touche, on n'a plus envie de toucher. Donc, ben voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir eu de process de A à Z ce vendredi-ci. Je vais normalement peut-être filmer un process demain, je verrai. Et je vous le publierai peut-être, je dis bien peut-être, en début de semaine. Et vous aurez deux vidéos peut-être, voilà. Ben, du coup, ça fait une très très courte vidéo. Je vous avais montré mon bullet des jours précédents dans mon haul Action. Donc voilà, je ne vais pas vous remontrer en double là maintenant. Si vous voulez aller voir, ben, allez voir sur le haul Action. Bref, ben voilà, donc... J'en ai déjà terminé là avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !